Sofiane, une victoire à 3-0 contre un adversaire qui était à égalité de points, ça fait du bien. Ah oui, ça fait vraiment du bien parce que c'est une place qui va se jouer pour les playoffs, ils étaient à égalité avec nous. Et là, on leur met 3 points derrière, donc ils vont rester 3 points derrière nous. Il va falloir confirmer encore, voilà, on a un match de Coupe de France contre Brive, qui va être important aussi. Et à la rentrée, il va falloir aller encore chercher des points. Comment tu expliques ces deux premiers sets où on a vu vraiment une domination du 1v1 alors, écrasante quoi. Ça vous a surpris? Non, on savait qu'on était une bonne équipe, on a bien travaillé le match, on a bien appliqué les consignes sur le match et franchement tout le monde a été bon sur le match, le respect des consignes a été parfait. Bon, on sait que ton travail c'est la réception et la défense, bon aujourd'hui tout a fonctionné. Est-ce que tu considères que c'est ton meilleur match de la saison? Moi j'ai l'impression que c'est ton meilleur match de la saison. Ouais, je pense que j'ai fait un meilleur match contre Fréjus. D'accord. Bon, après, on a été costaud en réception parce qu'ils ont de bons serveurs aussi. Bon, dès que l'équipe tourne bien, ouais, tout y va bien après. Et en ce moment, il y a la confiance, il y a tout. Donc, bravo à toute l'équipe. Bon, cette équipe de Confin, finalement, vous les avez battu deux fois. Bon, c'est un jeu qui vous convient, on l'a vu quand même. Vous les avez contrés aussi bien sur les attaques, ils ont fait beaucoup de fautes. C'est une équipe qui a du mal contre vous. Hein. Oui, l'équipe de Confin, ils font beaucoup de fautes. On les a fait jouer, on n'a pas fait beaucoup de fautes au service. Et derrière, on a été bien au bloc défense. Comparé au match aller où ils ont été un peu meilleurs quand même. Mais là, nous, on a été solides sur tous les compartiments du jeu. Bon, parle-nous de ce troisième set parce que ça a été quand même serré jusqu'au bout puisqu'il y avait 22-22 et ça finit 25-22. On va pas dire qu'on a souffert mais c'était quand même beaucoup plus tendu. Ah, c'était plus tendu. De toute façon, on le sait, quand on mène 2-0, l'équipe qui perd 2-0, elle va essayer de pousser derrière et essayer de venir grappiller un set et voir après un point. Mais là, ce soir, on leur a rien laissé. Bon, on sait que ces playoffs maintenant ça tend les bras, il ne reste plus que 3 matchs. Comment tu vois, c'était un peu le tournant quand même aujourd'hui. Il y a quand même un pied et demi dans les playoffs où il faut être prudent encore. Il faut être encore prudent. Je pense qu'il nous reste encore 3 matchs. Sur les 3 matchs, il va falloir essayer d'aller chercher au moins 6 points. Comme ça on est sûr et si on peut prendre 9 points, on prendra 9 points. Bon, tu l'as dit, mais la semaine prochaine, il y a un match de Coupe de France contre Brive qui est avec vous en championnat. Oui. Comment tu le vois, vraiment tout pour le championnat ou vous allez quand même la jouer cette Coupe? Non, on va la jouer à fond et bon, c'est un objectif qui a été mis en place par le club et donc on va la jouer à fond, comme un match de championnat. Bon, tu fais partie des anciens maintenant de ce club avec de nombreuses années. Tu as vu toute l'évolution, la progression, comment tu analyses tout ça? Parce que bon, on est parti quand même, on part de loin. Hein. Ouais, on est parti de National 3. Enfin, moi, je suis arrivé à National 3, on est monté à N2. Puis après, on a recruté de bons joueurs aussi, le club a fait des efforts. Donc, cette année, on est à N1. Il faut essayer de se maintenir parce que c'est un championnat qui est très costaud, très physique. Moi je dis bravo au club pour le recrutement, pour leur investissement et bravo aux joueurs aussi. Eh bien bravo tout le monde, c'est le mot de la fin et tu as bien raison. Merci. Merci.